Bienvenue dans la première partie de notre série de deux épisodes. Militer pour sauver des vies, l'honorable Lui Eng Kok Kwang de Singapour, végétarien. L'honorable Lui Eng Kok Kwang est un membre du Parlement du Parti d'Action Populaire de Singapour. Depuis 2015, il est député représentant la circonscription représentative du groupe Nissen. Monsieur Lui Eng est également le fondateur et directeur général de Animal Conscience Research and Education Society, ou ACRES, une organisation de protection des animaux dont la mission est de créer un monde bienveillant et socialement responsable dans lequel les animaux sont traités comme des êtres sensibles. L'organisation mène des recherches sur l'utilisation des animaux dans divers domaines et utilise ses résultats pour éduquer le public sur le bien-être animal. ACRES encourage la communauté à participer au mouvement de protection des animaux et noue des partenariats avec des organisations connexes. Fondée en 2001, ACRES a été la première organisation non gouvernementale de Singapour consacrée à la protection des animaux. Elle s'est depuis développée à l'international avec des bureaux en Australie et au Laos. Dans son rôle de directeur général d'ACRES, M. Lui Eng travaille sans relâche pour bâtir un monde où les animaux sont traités avec compassion et respect. M. Lui Eng est titulaire d'une maîtrise en conservation des primates de l'université Oxford Brookes au Royaume-Uni. Dans l'émission d'aujourd'hui, M. Lui Eng commence par raconter la fascinante histoire qui l'a amené à devenir politicien. It began in 2008, actually, when Minister Shanmugam was the guest of honor at the ACRES Gala Dinner. I think, in fact, Loving Heart served the food for the Gala Dinner. He was a guest of honor. I delivered my speech. I came down and he says, why don't you work together? Tell me what obstacles you're facing. Let's work together to try and clear them. Après cette discussion avec le ministre Shanmugam, M. Lui Eng a commencé à se demander si, en tant que député, il pourrait apporter des changements législatifs qui accéléreraient grandement la protection des animaux. Cette idée l'a finalement incité à débuter son parcours politique. And with that, it began the different approach for ACRES, where we realized we could not just only confront issues, but we could collaborate as well. And we tried it out. Let's see if we collaborate. Whether we could achieve a lot more. And that's also the point where I realized, yes, we could and we should go on rescuing animals. And it's really one at a time, changing mindsets one at a time through our awareness work as well. But if we also embark on a policy change journey where we can effect legislative change, policy level changes, then we could actually save a lot more animals. We do both concurrently. And that's one reason why I entered politics, so that I can enter parliament, fight for legislative policy changes, ask the questions, and really be there to shape our policies and our legislation. And that's what I've done over the last 5 years. If you know, 14 years ago, I wrote a letter to the Straits. There was a Today Forum asking for the Wild Animals and Birds Act to be amended. And now that I'm in Parliament, I amended it. Earlier this year, it was a 2-year journey, but earlier this year, I finally amended the Wild Animals and Birds Act and renamed it the Wildlife Act now. And with that piece of legislation, we can save a lot more lives in Singapore. Grâce aux efforts inlassables de l'honorable Lui Eng, le gouvernement singapourien a adopté la loi Wildlife Act en mars 2020. Il s'agit du premier amendement substantiel à la loi sur les oiseaux et animaux sauvages depuis 1965. Et il améliore considérablement la protection et le bien-être des animaux sauvages à Singapour. Cette loi interdit à quiconque de piéger, de prendre ou de garder des animaux sauvages sans l'approbation du gouvernement. Ceux qui enfreignent cette loi s'exposent à une amende maximale de $37,800 US, à une peine de 2 ans de prison ou aux deux. La loi interdit également la vente ou l'exportation de toute espèce animaux sauvages vivant ou mort, ou de toute partie du corps d'un animal sauvage sans l'approbation du gouvernement. Elle interdit également l'importation de toute espèce d'animaux sauvages sans autorisation. Les contrevenants en cours, une amende maximale de $37,800 US jusqu'à 2 ans de prison ou les deux. Téléspectateurs aimant les animaux, nous allons maintenant faire une courte pause pour profiter du son apaisant des cascades et nous revenons dans un instant. Veuillez rester sur Supreme Master Television. Joyeux téléspectateurs, bienvenue pour la suite de notre entretien avec l'honorable Lui Eng Kok Kwang. Malgré son succès remarquable pour faire adopter la loi Wildlife Act
par le Parlement de Singapour, M. Lee Hung souhaite faire beaucoup plus pour les animaux et notre environnement. En plus de son travail de député, M. Lee Hung travaille sans relâche en tant que directeur général des CURS. Il espère qu'un jour, tous les animaux pourront vivre en sécurité et protégés. Aims and ideals still remain the same. So I remain the same person that started ACRES, the same person that who is an MP now. So as I share with my ACRES team right from the start and very regularly is that we are in the business of ending our business, which means that hopefully by the time I die, there wouldn't be a need for an ACRES Wildlife Rescue Centre. That the day will come where we don't need to rescue animals. The day will come where we don't need to create awareness about animal welfare issues because everyone is aware of it and passionately fighting for it. Are we at that stage yet? Probably not, but I dare say that a vast proportion of people are now aware of animal welfare issues, environmental issues, and very importantly, they're willing to speak up about it now. As we saw with the SG Climate Rally, where youth are coming forward now, mobilizing people, not just to speak up, but to really take action. And I think that will be sort of the defining moment in activism here in Singapore. L'honorable Lee Hung félicite les jeunes de son pays pour leur volonté de défendre ce qui est juste et de parler avec ferveur du bien-être animal, des problèmes environnementaux et du changement climatique à travers leur activisme. So with climate change, we had the SG Climate Rally and I saw an amazing presence of all the youth coming, I think it was a Saturday afternoon, in the hot sun, coming together to speak up about climate change. And I wanted to make sure that that debate continues, not just in the public arena, but now in Parliament. So I'm actually planning our the first private members motion on climate change in Parliament, where we're working with the activists. Monsieur Lee Hung travaille avec diligence pour assurer l'adoption du projet de loi sur le changement climatique. Outre l'appui des jeunes et des militants, il bénéficie d'un soutien encore plus large. We're working with industry as well to make sure that all these voices will ultimately be heard in Parliament. And then, as a Parliament, we come together to debate a motion and hopefully pass the motion that. Climate change is an important issue, it's existential, and it's something that we really need to fight and tackle. Honorable Lee Hung, merci pour vos efforts diligents visant à protéger notre précieuse planète et nos tendres animaux cohabitants. Puissiez-vous être abondamment béni pour votre gentillesse et votre compassion. For more information about the Honorable Louis Ng Kok Kwang, please visit parliament.gov.sg. Téléspectateurs bienveillants, merci de votre douce présence aujourd'hui.